C'est Dragon Gaming. Alors pour commencer, nous allons déjà commencer par faire un présent. Je vous présente Discord. Mon serveur Discord, Evolutive Game Party. Alors déjà, vous avez bien pu voir, hein, il y a déjà deux personnes, des gens qui sont déjà rejoints. Pour commencer, dans un salon textuel, je vais déjà vous présenter. Hein. Général. Dans général, déjà, vous pouvez déjà discuter comme on vient de faire là. Hein. Vous voyez, vous pouvez discuter. Par contre, les trois règles qui sera dedans, c'est pas de spam, pas d'insultes. Et la troisième, bah, je sais pas encore, mais voilà. Interdit de spam déjà, interdit de gros mots, sinon expulsion. Vous avez trois chances. Et la troisième, c'est un des bannissements total que je peux faire, que j'ai pas encore mis parce que je ne sais pas. Je me rappelle plus qu'est-ce que c'était. Mais ce truc-là bannit totalement. Voilà, celui déjà qui s'énerve dans le truc, déjà c'est ça, déjà un qui s'énerve et qui rage et qui insulte déjà, qui dit nique ta mère, un truc comme ça dans notre mot, je le bannis direct. Moi c'est respect et tout, je veux qu'on s'entend bien. Alors passons au deuxième événement Evolutix. Ça c'est les événements qu'on va faire en Evolutix Game Show. Voilà. Quand vous voyez des petits trucs, ouais, vous utilisez Game Show sur Sky Clean. Moi j'en fais quelques-uns parce que quand ils peuvent pas live, bah moi je live. Hein, voilà. Des fois quand Clean il peut pas, c'est Sky qui prend. Mais moi des fois je peux, mais je peux pas faire tout le temps, tu vois. Je préfère faire pas tout le temps des Game Show parce que je suis dans un autre. Mais je peux des fois en faire des mêmes, vous voyez, pour voir des fois format et tout. Après. Les événements live Fortnite, ça c'est mes lives à moi que je fais, Fortnite, hein. Pareil pour Call of Duty quand je vais bientôt, dès bientôt précisément, ça c'est les événements que je vais faire. Les discussions, ah, c'est pareil que Général, hein. Je n'ai fait un deuxième, que Général c'est pour discuter, mais après discussion, c'est, si vous voulez rejoindre, truc, là je parlerai avec vous, là Général ce sera, je vais plus dans la Général, un peu dans la discussion, moi. Général, je vous laisserai discuter entre vous, mais moi, discussion, c'est moi et vous. Voilà. Entre moi et vous, discuter. Vous pouvez aussi me poser des questions. Si vous voulez vous faire un de nous, vous n'avez qu'à proposer un défi. En plus, c'est bien. C'est qu'au mois de décembre, je serai bien libre, beaucoup libre. Pour jouer, et ça c'est parfait. Alors déjà le buffet il s'est déjà fait. Battle Royale, comme j'ai dit, hein. J'ai fait une gaffe et je vais vite modifier tout ça. Alors ah chute, hop. Et hop là, Battle Royale Duo Section. Et voilà, Duo Section. Ça c'est fait. Hop là. Ok. Et voilà, Duo Section. Bon. Le mini-jeu. Le mini-jeu, ça c'est. Vous pouvez proposer les mini-jeux que vous avez fait. Ça pourrait nous permettre aussi de nous chercher nous, des fois, tu vois, quand on a nous, on n'a plus rien à faire. Une fois qu'on trouve plus de se rendre, on sait plus quoi faire, on fait du Zone Wars. Et on, voilà, on préfère que vous nous donnez des trucs, voilà, un peu de facile, hard, normal, un peu de tout, tu vois. Death Run, tout. J'accepte tout, moi. J'accepte tous les mini-jeux. Même les mini-jeux que vous avez même créés, vous. Ça serait déjà bien. Je pourrais même vous même se faire un live de présentation dessus. Et faire un test dessus. Pour dire s'il est bien ou quoi. Avec la team Evotic. Voilà. Après les recherches joueurs. Quand il y aura beaucoup de monde. Pour leur demander leur pseudo et tout. Faire des bluffettes avec eux. Jouer avec en solo, en duo, section, fond en poigne, etc. Faire de l'arène. Aussi. Etc. Annonce, ça ce sera les annonces aussi, comme j'ai dit, les événements, j'annoncerai quand les événements Fortnite et les lives Call of Duty vont arriver. Par contre là-dessus il faudra pas parler.
Voilà, là-dessus, personne ne pourra parler. J'annoncerai juste. Voilà. Après, si vous pouvez juste les trucs, vous pouvez juste répondre à ces annonces. Après, si il y a eu un problème dans ces annonces, je le réglerai, je le supprimerai et je vous le dis quand. Je retarderai un petit peu plus tard. Peut-être que cette heure-là, je ne serai pas disponible. Après, pour les défis de malade, ça, c'est un des défis que je ne sais pas trop vous les mettre, mais pour mettre un peu de piment. Je l'ai mis. Pourquoi? Ça ferait un petit peu plus de défis pour nous. Dire si vous voulez qu'on fasse quand je suis solo ou du. Tu veux un macaron? Quoi? Non, merci, pas de macaron. T'es sûr? Oui. Ok. Alors, comme j'ai dit, Macaron? hein, les défis malades, hein, Tu veux un macaron ou pas? c'est dire, je vais en proposer trois. Ça veut dire, en solo, si vous me dites, survivre à un PV sans shield, sans me mettre de shield, sans me faire soigner, et que je dois vivre ça en faisant un top 1, ça c'est un défi de malade. Ça c'est sûr, c'est un défi de malade. Après, avec une team, avoir chacun un des armes, ça veut dire, là doit avoir une arme légendaire. Un autre doit avoir une arme épique, l'autre il doit avoir une arme rare et l'autre il doit avoir une commune. Alors là, par contre, le gars qui est en commune, une rare, eux, ils devront essayer de protéger, ça c'est sûr. Par contre, les deux autres sont foutus. Ils sont vraiment foutus. Il faut avoir de la chance pour faire ça. Voilà. Après, vous pouvez aussi, un défi de malade, tous avoir un stuff épique ou légendaire. Là, par contre, là, on va tous morfler. On doit faire des kills à la pioche. Là, comment on va se marrer, comment on va se faire, comment on va s'engueuler. Mais ça serait trop bien. J'attends vos défis de malade à mort. Comme ça, dès que j'en sais un live, là, je peux pas lancer de live parce que j'ai craint de farmer mes défis. C'est un petit peu, comme vous avez pu voir le live, j'ai craint de farmer, farmer, farmer. C'est un petit peu dur, hein. Pour vous, mais pas pour vous. Je croyais que c'est facile, mais en dessous, ces défis-là, ils sont défis. Parce que après, il y aura les défis ultime effort. Comme ça, comme vous avez pu voir, j'ai beaucoup à progresser. Hein. J'ai presque fini. Il ne me reste plus qu'éveil du chaos et l'autre skin. Et là, je peux vous dire, dès qu'il y aura les ultimes efforts, je lance direct un live. J'essaie de farmer tous ces défis-là. Même si c'est dur, je m'en fous. Alors, en salon vocal Call of Duty. Ça, comme je vous ai dit. Hein. Alors, comme j'ai pas dit, mais comme j'ai dit là, en salon vocal Call of Duty, c'est pour ceux qui veulent ceux qui veulent jouer avec moi Call of Duty, hein, pour ceux qui voudraient jouer, je mettrai mon pseudo. Je mettrai aussi mon pseudo dans la description. Hein. Aussi, je mettrai aussi mon Messenger, hein, comme d'habitude, mon Messenger et tout, etc. etc. Si vous voulez aussi me lancer un défi, pas de problème. Je lui mettrai aussi un défi de malade de Call of Duty, qui va être aussi malade. Hein. Si vous voulez me faire des défis de malade Call of Duty, ça aussi, ça pourrait être aussi pas un petit peu. Parce que, quand même, déjà, il y a beaucoup de tryharders sur ça. Et que si vous voulez que vous voulez de l'aide pour vous avancer dans les niveaux, pour ceux qui sont bas level et qui n'arrivent pas trop bien à jouer. Même moi, je sais pas trop bien jouer, mais je peux au moins faire au moins aller beaucoup de kills. Mais après, pour les gens que j'arrive à niveau de sang, j'arrive pas à les gérer. Je me bats contre de ça. Je me bats que de joueurs de sang. C'est un petit peu chiant de me faire terrasser par ça. Mais j'en bute aussi un petit peu. Comme hier, je n'avais fait une partie que avec une équipe de sang. Il y en a un qui m'a insulté, je lui ai demandé un avion. Le gars a vite compris qu'en fait il ne jouait qu'avec son équipe. Et qu'en fait, en équipe, il était plus fort qu'en solo. Voilà. Alors, en général, ça c'est pour vous. Si vous voulez parler, là je peux aussi venir. Et vous demander comment ça va et tout. Qu'est-ce que ça vous ferait plaisir. Après, il faut aussi dire ce qui. Vous pouvez venir. Et bien, demander ce que vous voulez que je rajoute dedans. Je vous dirai oui ou non. Après, pour la salle vocale, hein, ça sera un peu pas presque un peu pareil que Fortnite. Hein. Voilà. Et en bullfight, bah, c'est pour ceux qui veulent faire du bullfight. Hein. Comme j'ai mis là, en description de textuel, un bullfight. Pour ceux qui veulent faire du bullfight, là, pour l'instant, j'ai mis ça parce qu'on n'est pas beaucoup dans le serveur. On n'est que déjà pour commencer pour deux parce que je viens juste de l'ouvrir aujourd'hui. Et je voulais faire une présentation.
Voilà. Je vous laisse aussi prendre mon Dragon Gaming plus hashtag 3053 pour m'ajouter son truc, comme ça je peux vous, si vous envoyez dès que vous ajoutez, dès que je vous ajoute, j'envoie direct une invitation. C'est fait ça. Par contre, je lâcherai pas 24 heures sur 24. C'est voilà. Je serai très disponible le soir pour l'instant. Du lundi au vendredi, disponible le soir. Le week-end, 24 sur 24. Alors, je vous attends à pied ferme. Là, je peux vous attendre jusqu'à. Bah ouais, jusqu'à demain. Je vous attends. Allez, je vais poster ça. Et on se voit peut-être tout à l'heure. Et comme j'ai dit, je vais peut-être lancer un live ou une vidéo au Call of Duty. Mais pour ceux qui, avant, je vais attendre le soir. Pour le temps que vous arrivez chez vous, je vais attendre qu'il l'heure de France pour lancer. Pour ceux qui sont à La Réunion, vous pouvez toujours proposer. Hein. Moi, je dirais, je refuse. Je vais mettre ça aussi dans le salon textuel, puis après aussi dans le salon vocal. Déjà, c'est ça, déjà mon truc. Et la prochaine fois, je vous présenterai un autre serveur. Pour commencer. Bon. J'ai déjà fait un tissu, ouais. Pour commencer. Allez. Je vais vous présenter trois serveurs la prochaine fois. Allez, ciao, Beats. Les bas.